peux élaborer un peu là-dessus? Bon, je poursuis mon exemple. Si ta copine habite le Québec, et toi, à Ottawa, eh ben, tu pourras te payer le luxe d'avoir plein de maîtresses du côté d'Ottawa. Avec des femmes probablement anglophones, et de préférence mariées. Mais pourquoi des femmes mariées? Pourquoi pas des célibataires? Non, là, on voit que t'es un amateur, là. Non, non. Comme si on allait prendre une femme célibataire pour en faire sa maîtresse. Ça prendra pas 2 mois avant qu'elle s'attache et qu'elle te demande de devenir ta copine. Oh, non, trop de troubles. Non, la maîtresse parfaite, c'est la femme mariée. Pourquoi? Parce que si elle trompe son mari, c'est qu'il la néglige. Alors, Oli, c'est une vraie tigresse. Et puis, deuxièmement, le fait qu'elle soit mariée, eh ben, ça fait en sorte qu'elle n'est pas très disponible. Alors, du coup, ça limite les conflits d'horaire avec ta copine au Québec. Ah, et puis, troisièmement, si elle s'attache et qu'elle vient te sortir des conneries du genre « Ah, je vais quitter mon mari et puis on va aller vivre notre amour au grand jour », eh ben, t'as une excuse en or pour la sacrée, là. Ben, laquelle? Ben, voyons, tu lui dis « Excuse-moi, ma chérie, mais ça fait quand même 6 mois que je te vois tromper ton mari comme une vraie salope. Alors, si tu crois que je vais m'engager dans une relation sérieuse avec toi, non, la gueule qu'elles font à ce moment-là. »